En direct sur l'Assemblée. Et tout de suite, les informations avec Sergueï Iranov. En France, la vague de sable gagne du terrain. Le 8e arrondissement de Paris est englouti à son tour. Les SKP sont évacués par les pays de l'Est de l'Europe qui font leur possible pour croître. Le Qatar est le principal pays touché par le sisme qui a frappé le Moyen-Orient hier soir. On estime à 28 000 le nombre de morts.